Bonjour, bonjour à tous. Merci encore une fois de nous rejoindre dans le cadre de cette émission. Thank you for joining us again today. My name is Demba. I'm going to be your host today, and I am with a new guest, Ndiaye from Senegal. So I'm going to apologize to our English viewers because mostly today we're going to have this interview in French. Well, most of it, and we're gonna have some questions in English so that people can a little bit understand what we are talking about, because our guest is obviously he's bilingual, but he's also mostly a French speaker, and we have a lot of viewers from Senegal and from some French-speaking countries who wants to understand what we are talking about, because there's an event in preparation in Senegal, a very important event. Donc, comme je le disais, donc notre invité aujourd'hui, c'est Ndiaye, et vous êtes avec Demba. Donc, on va avoir cette discussion principalement en français par rapport à l'audience qui nous... une grande audience francophone qui nous écoute un peu partout au Sénégal. Je salue tout le monde qui nous regarde dans l'Afrique francophone et en général en Afrique. Et je suis avec Ndiaye, ingénieur polytechnicien, et on va parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Qui est quelque chose qui paraît assez peut-être inconnu pour beaucoup de personnes sur le continent, et on aimerait vraiment que ça ne soit pas un thème qui fait peur ou un thème qui soit inconnu, qui soit pas un thème qui est seulement dédié pour une certaine classe de la population. Donc, avant tout, j'aimerais remercier Ndiaye pour avoir accepté notre invitation parce qu'il est très occupé pour apprendre un événement. Donc, bonjour mon frère, comment tu vas? Bonjour Demba. Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment ça se passe à Dakar actuellement? Un plaisir est partagé. Très bien, voilà, un peu de chaleur, mais ça va. les huitièmes de finalistes de la Coupe du Monde, ça fait quoi? Ça fait plaisir. On se prépare pour demain, pour la victoire de demain. Ah ouais, ah, ok, donc vous êtes confiants là, c'est bien, on est confiants. Voilà, exactement. Donc on va commencer tout de suite. Donc, Ndiaye, vous êtes ingénieur polytechnicien, vous êtes d'origine sénégalaise, ça c'est le gros qu'on connaît de vous. Mais j'aimerais que vous nous fassiez un peu un petit rappel de votre parcours, comment vous avez fait pour vous retrouver dans cette branche-là de très sélecte de la science. Voilà. Ouais, donc, merci beaucoup, Ndiaye, de cette très belle opportunité hein, que tu m'as offerte pour intervenir sur les sujets d'intelligence artificielle. Et merci également pour cette excellente question hein, qui me permettra également de me présenter. Donc moi, je m'appelle Ndiaye, je suis ingénieur en intelligence artificielle. Donc pour mon parcours hein, scolaire, j'ai démarré mes premiers pas à l'école élémentaire dans une école qui est dans la commune de Notodiabas, dans la région de Thiès. Ensuite, j'ai obtenu mon CFE, certificat de fin d'études élémentaires, et j'ai été orienté dans un CM qui est dans la banlieue de Kaouaz, qui s'appelle le CM Sambakanye de Malika. Après l'obtention de mon BFM, je fus orienté au lycée El Hadj Ibrahim Diop de Yombal, toujours dans la banlieue. Donc, au lycée dans lequel j'ai obtenu mon baccalauréat en série S2. Par la suite, j'ai été orienté au département mathématiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, université dans laquelle j'ai séjourné pendant 3 années pour l'obtention d'un diplôme de licence en mathématiques et informatiques. Et par la suite, j'ai été admis à l'École Polytechnique de Paris. Donc, de 2018 à 2020, j'ai effectué le cycle ingénieur de cette école. Et en 2021, j'ai effectué un double diplôme à l'École du numérique et des télécoms de Toulouse, école dans laquelle je me suis spécialisé surtout en sciences numériques et intelligence artificielle. Super. Donc, voilà mon parcours. Oh, super. Merci de vraiment de ce brillant parcours et qui devrait être une inspiration pour beaucoup de jeunes Africains parce que voilà, c'est un parcours qui vient de loin. Vous avez parlé de Yumble, c'est un quartier où j'ai grandi, c'est mon quartier, je suis très fier d'être là-bas et je suis très content d'être avec un enfant de Yumble, c'est un plaisir. Mais Ndiaye, quand vous étiez enfant, parce que souvent on dit l'enfance, voilà, c'est très important par rapport à ce que vous voulez être quand vous serez grand. Vous vouliez faire quoi comme boulot? Je suis curieux de savoir en fait. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous vouliez être dans la science? Est-ce que vous vouliez être dans autre chose par exemple? Oui, bien sûr, j'ai été très tôt hein, convaincu de l'importance des sciences et des technologies, hein, avec des jeux qu'on faisait parfois lorsqu'on était au village. Hein.
avec des camarades, voilà, et tout, lorsqu'on était également à l'école élémentaire, même si les sciences n'étaient pas très développées en côté école élémentaire, on n'était pas très sensibilisés sur ces domaines-là, mais ils étaient très tôt attirés par ces domaines qui tournent autour de la science, autour de la technologie. Donc, raison pour laquelle, voilà, j'ai continué dans ce domaine-là jusqu'à aujourd'hui. D'accord, super. Donc, pour vous, déjà très tôt, c'était clair, c'était les sciences. Pour beaucoup, enfin, il y a beaucoup de. Le chemin est sinueux, il est plus complexe que cela, mais pour vous, déjà, dès l'enfance, c'est super. Donc, vous êtes scientifique dès le bas. Est-ce que vous faites partie des gens qui manipulaient un peu les radios de la maison, qui manipulaient les télés? J'en manipule beaucoup, ouais. Beaucoup même. Hein. Donc, vous en avez détruit quelques-uns ou vous en avez fabriqué quelques-uns? Tout à fait. Et la construction de voitures également, voilà, on essayait toutes ces choses-là avec des camarades Wow. tout à l'heure et tout, quoi. Donc, Wow. des voitures en utilisant des fers, voilà, on en Wow. faisait pas mal. Donc, vraiment, c'était du bricolage, du vrai bricolage. C'est extraordinaire pour tous les scientifiques. Il y a cet esprit de curiosité là, qui commence très tôt, qui vous pousse à toucher un tout. C'est super. Donc, la prochaine question, c'est, voilà, vous êtes polytechnicien. Polytechnicien, pour ceux qui connaissent un peu, c'est vraiment un milieu très, très sélectif. C'est pas donné à n'importe qui d'être accepté dans des écoles, ces écoles d'élite-là. Et donc, expliquez-nous un peu comment vous avez fait pour intégrer Polytech. Qu'est-ce qui s'est passé, enfin, du Sénégal, de Cheikh Anta Diop à Polytech? Ça n'a pas dû être un chemin facile. Ah oui, en effet, ça n'a pas été facile. Donc, à Cheikh Anta Diop, hein, j'ai effectué une première année, une deuxième et une troisième. Donc, il fallait vraiment très tôt se fixer des objectifs parce que c'est une université, hein, qui héberge des milliers et des milliers d'étudiants. Et du coup, sortir de cette université-là, c'était très difficile. Donc, non seulement sortir de l'université pour rester sur le sol national et être opérationnel sur le marché du travail, c'est difficile. Et raison de plus, sortir de l'université pour aller à l'étranger et être opérationnel également, ça allait encore plus difficile. Donc, il fallait se fixer des objectifs dès le début. Et donc, atteindre ces objectifs-là n'a pas été facile. Il a fallu des nuits blanches. Wow. Il a fallu vraiment rester pendant une longue période sur le campus universitaire, sans aller à la maison, sans voir la famille, pendant les périodes de révision. Surtout en première année et en troisième année. C'est vraiment les 2 années les plus difficiles au département de mathématiques de l'Université de Dakar. Après, derrière, il y avait une influence mutuelle entre camarades. Donc, vraiment, en un pays, on s'est influencé, quoi. Donc, quand on voit ses camarades aller en amphithéâtre ou en salle de télé, ils passaient la nuit. Donc, brusquement, on est attiré par ça. On est attiré par ces motivations-là et on a tendance à suivre ces camarades-là pour aller également réviser. Donc, quand j'ai passé le concours de polytechnique, j'avais beaucoup de doutes. J'avais un peu peur, hein, parce que c'était un concours qui est très sélectif, comme vous l'avez dit. J'imagine. Voilà. Mais voilà, donc les 4 premières semaines de préparation, j'avais trop de doutes. Mais au bout de la dernière semaine, là, je me suis dit qu'il faut vraiment foncer. Et donc, c'est sur 2 phases, une phase de présélection et une phase de sélection. Donc, la phase de présélection, on l'a dépassée. Donc, j'ai été présélectionné avec 9 autres camarades. Et au bout de ce moment-là, je me suis dit, là, je pense que c'est possible. Quand on est présélectionné, ça signifie qu'on a les capacités. Et donc, non seulement nos notes ont attesté qu'on a les capacités, mais après, on va passer les oraux pour voir si on sera sélectionné ou pas. Donc, de ce fait, j'ai passé le concours. J'ai été sélectionné. Et du coup, justement, je suis allé à Polytechnique pour suivre le cycle ingénieur. Donc, vous avez passé le concours, tout ça à Dakar, à Cheikh Anta Diop, et de là-bas, vous êtes parti en France pour intégrer Polytechnique. Exactement, c'est ça, c'est Super, exactement ça. super. Donc, ça veut dire que c'est possible, hein? Ça veut dire qu'à partir du Sénégal, de l'Afrique, vous pouvez intéresser des personnes par rapport à vos qualités qui sont hors du Sénégal et justement rejoindre des écoles d'élite qui sont des centres de formation par excellence. Dans le monde, hein? C'est reconnu pas seulement en France, mais partout dans le monde. Polytechnique, voilà, d'où la tenue, sorte de tenue un peu militaire que vous portez, qui est très jolie d'ailleurs. Donc, alors, prochaine question, l'autre question, c'est donc, avec tout ce bagage intellectuel, vous avez pensé à votre pays, vous avez pensé au continent africain, ce qui est vraiment une des qualités nobles que nous tous, auxquelles nous tous nous aspirons. Et donc, vous avez pensé en faisant concrètement un salon international des algorithmes, des sciences, technologies, de l'innovation du Sénégal. Donc, parlez-nous un peu de cette idée, comment ça a mûri et donc où vous en êtes avec, je suppose que vous êtes toujours dans les préparations.
Oui, alors pour le salon, comme vous l'avez dit, c'est le salon des algorithmes des sciences, technologies et innovations du Sénégal. Donc, avec un certain nombre de mots, algorithmes, très importants pour porter l'implémentation de l'intelligence artificielle. Donc, sciences, technologies, hein, des domaines dont on a besoin pour faire émerger nos sociétés. Et innovation également, il faut innover pour avancer, il faut innover pour faire bouger nos sociétés. Donc, c'est une idée que nous avons eue en décembre 2021. Et du coup, voilà. Un groupe de jeunes, on a créé une structure pour porter ce salon-là, donc pour l'organiser. Et donc, cette structure-là, elle se base sur deux ambitions principales. La première, c'est de promouvoir les sciences technologiques auprès des lycéens et des collégiens avec un programme que nous avons lancé qui s'appelle le Big Tech Science. Ensuite, la deuxième phase, c'est justement l'organisation de ce salon-là. Donc, ce salon qui a pour objectif de fédérer l'écosystème des acteurs qui portent l'innovation technologique, donc sur le continent africain et au Sénégal en particulier. Et ceci sur une dimension hein, un peu internationale, parce que pendant le salon, on va faire venir des intervenants internationaux pour qu'ils puissent intervenir sur les différents sujets qui sont définis. Le thème de cette première édition, c'est l'intelligence artificielle au service du développement économique et social. Donc, on est convaincu que pour vraiment, pour que l'Afrique puisse rejoindre la course internationale aujourd'hui autour des technologies émergentes, il faudrait que l'Afrique prenne en main, donc l'implémentation des technologies de l'intelligence artificielle. Donc, toutes les applications qui sont déployées et utilisées sur le sol africain doivent être développées par des compétences africaines pour rejoindre cette course-là. Et donc, il y a ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Ce n'est rien d'autre que la révolution autour des sciences, des technologies et notamment celle de l'intelligence artificielle. L'Afrique prend pas mal de retard autour de cette quatrième révolution industrielle. Et en un certain moment, il faut qu'elle rejoigne la course pour un peu rentrer dans cette compétitivité internationale hein, à l'ère de la mondialisation qui va changer de donne avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, on a créé ce salon-là. On va l'organiser les 6 et le 7 décembre, surtout pour fédérer cet écosystème-là, pour encore une fois se démarquer et puis participer également à l'émergence de nos pays africains en utilisant l'intelligence artificielle. Super. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein de réussite pour ce salon-là. Et vous attendez combien de personnes en général et ça se déroulera sur combien de jours? Alors, ça se déroulera sur 2 jours. Sur la structure, on est à peu près 15 personnes. Après, par la suite, on a été rejoint par d'autres structures hein, qui vont se placer comme co-organisateurs du salon. Nous avons notamment l'ambassade de France au Sénégal, le programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons également une structure qui est un genre, une sorte de think tank, mais également une école de formation en IA qui s'appelle Institut des algorithmes du Sénégal. Et puis, on a d'autres partenaires également qui sont à côté, qui vont nous accompagner dans ce salon-là. Voilà. Il y aura des panélistes, il y aura des têtes d'affiche. Enfin, vous attendez en général combien de personnes pour assister à cet événement? Alors, pour le public, hein, pour le public, c'est 500 personnes. Et Wow. pour les panélistes, il y en a 25. 25. Voilà. D'accord. Il y aura 4 sessions plénières. Hein. 4 sessions plénières de 30 minutes. Et puis, il y aura à côté 6 conférences. Donc, toutes les conférences ont des D'accord. thématiques hein, qui tournent autour de la grande thématique intelligence artificielle pour développer l'économie et le social au sein des pays. Super. Maintenant, pour les gens qui ne s'y connaissent absolument rien à l'intelligence artificielle, un peu comme moi, si, enfin, ils devaient venir à l'événement pour comprendre l'intelligence artificielle, et si vous pouvez leur donner un avant-goût de ce que c'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, enfin, c'est un très joli mot, mais si vous devez définir cela, ça veut dire quoi exactement? Ouais, bon, alors en quelques mots, hein, très simple, l'intelligence artificielle, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Donc, on programme les ordinateurs pour qu'ils aient la capacité de réfléchir et d'agir, pour qu'ils aient D'accord. la capacité de prendre des décisions. Parce que la prise de décision, c'est l'être humain qui le faisait. Donc, maintenant, avec l'arrivée de l'IA, on essaie de programmer les ordinateurs pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et pourquoi? C'est par là la question. Pourquoi on laisse de côté l'être humain pour prendre finalement les ordinateurs afin qu'ils puissent prendre les décisions? Parce que l'ordinateur est beaucoup plus rapide. Il peut tourner 24 heures sur 24 pendant que l'être humain est dans son lit en train de dormir. Également, avec la nouvelle ère là de la mondialisation, il y a énormément de données qui sont générées. Et cette masse de données-là ne peut pas être traitée par l'être humain d'une manière manuelle. Il faudrait faire appel à des machines. Et c'est à partir de là que les big data, que l'IA va intervenir pour assister. J'insiste sur le mot. L'IA n'est pas là pour remplacer l'être humain. Elle est là pour assister l'être humain.
pour lui faciliter la tâche surtout. Donc, en quelque sorte, c'est ça l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, tout ce qui a trait au danger sur, par exemple, le détournement de la gestion de données, des données, par exemple, personnelles, on entend parler de ce qui se passe sur TikTok, comment les algorithmes sont manipulés. Enfin, toutes ces craintes-là, c'est-à-dire que, est-ce que nous, en Afrique, un jour, on pourrait être à l'abri de toutes ces craintes-là, on pourrait avoir nos propres systèmes pour contrer toutes ces manipulations de données? Enfin, parce Il que il n'y a pas que du positif dans ça, non? le faut. Hein. Après, je vais commencer par définir un algorithme. C'est quoi? C'est une suite d'instructions non ambiguës hein, pour effectuer une tâche spécifique. Donc, quand on parle d'une suite d'instructions, les instructions sont définies par un être humain. Et du coup, quand D'accord. l'être humain définit ses instructions, il peut venir aujourd'hui définir une instruction I1. Demain, il revient pour définir une instruction I2 qui est totalement différente de l'instruction I1. Du coup, on peut les manipuler comme on veut, comme vous le disiez tout à l'heure. Maintenant, l'Afrique doit prendre son envol, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, ce qu'il faut remarquer, noter et retenir, c'est que le nerf de cette guerre-là autour de l'IA, c'est la donnée. Sans la donnée, on ne peut pas y arriver. On ne va jamais y arriver. Tout à l'heure, ce matin, j'en discutais avec quelqu'un. Au Sénégal, aujourd'hui, on a ce problème-là. Et la question fondamentale qui se pose en Afrique, c'est que est-ce que les pays africains, est-ce que les institutions africaines sont dans une démarche de construction d'infrastructures pour C'était collecter. ma prochaine question, en fait. Ah, Justement, parce que, avec notre équipe, on a pu assister Oui. à l'inauguration du premier data center du Sénégal, enfin, appartenant Oui. au Sénégal, officiellement. Mais pour dire la vérité, c'était exceptionnel, on était contents, il y avait ce vent de souveraineté de données en l'air. Oui. Jusqu'au moment où j'ai vu derrière deux mecs de Huawei, les Chinois. Et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on est souverain d'un pays pour être manipulé par d'autres pays? Qu'est-ce qui se passe? Et le président lui-même, durant son discours, il a parlé d'un don, enfin, d'un prêt, entre guillemets, du Ouais. gouvernement des Asiatiques pour construire l'édifice. Donc, je me pose la question de ça, et je pense que beaucoup se posent cette question. Est-ce que l'Afrique est prête pour l'intelligence artificielle? Ben, certainement, il y a des initiatives qui se lancent de gauche à droite, hein, et si on se base sur ces initiatives-là, voilà, on va se dire que là, on est sur une marche vers les préparatifs pour être prêt à l'ère de l'intelligence artificielle pour les implémenter. Donc, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'ai mentionné. Le nerf de l'implémentation de l'IA, c'est la donnée. Donc, quand Huawei vient en Afrique hein, pour implémenter des data centers, hein, sache que s'il y a des données qui sont très utiles pour développer des modèles, Huawei va les prendre pour les amener en Chine, je pense. Hein, Huawei, c'est une multinationale chinoise. Donc, vers la Chine. Et il faut savoir également que ces grandes puissances-là sont très gourmandes en termes de données. Donc, elles ne Ouais. laissent aucune donnée traîner. Elles prennent tout, tout. Même les paroles-là qu'on est en train d'émettre, là, c'est de la donnée. Donc, c'est de Ben oui. l'image. Elles sont collectées de part et d'autre par Google, par toutes ces multinationales-là, pour être par la suite analysées, afin que nous, qui avons émis ces données-là, soyons, comment je peux dire, soyons ciblés à travers des campagnes publicitaires, etc., etc. Wow. Donc, l'Afrique s'apprête à s'engager sur une implémentation de l'IA. Mais il y a des enjeux derrière. Et le premier enjeu, c'est un enjeu éthique. Il faudrait de la sensibilisation. Encadré surtout par des réglementations juridiques hein, qui vont surtout protéger les gens, protéger les données personnelles des gens. Sans cela, on peut implémenter des algorithmes d'intelligence artificielle, mais au détriment donc, de la liberté hein, ou bien des libertés fondamentales des gens. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des initiatives qui se lancent de gauche à droite, initiatives auxquelles, si on les accompagne, on peut vraiment accompagner le continent à implémenter d'une manière responsable et socialement, économiquement utile de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des institutions qui se lancent de recherche, il y a des laboratoires, il y a des écoles de formation, et surtout, ça, c'est très important, des écoles de formation qui vont non seulement former les étudiants, mais également les accompagner à avoir une insertion professionnelle et à travailler sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a tout cela, mais ça doit être accompagné par les institutions, par les autorités, afin que ça aboutisse à, encore une fois, une implémentation responsable et utile de l'IA en Afrique. Donc, en grosso modo, on est encore au début et on espère qu'on est sur la bonne voie. Donc, j'ai C'est une ça. question de Aboubacar Sierra Leone en anglais. Il nous dit, est-ce que
L'intelligence artificielle peut créer plus d'opportunités professionnelles en Afrique. Et moi aussi, j'aimerais ajouter une question. En grosso modo, le revenu de quelqu'un qui travaille dans l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie pour justement inspirer les jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine-là? Est-ce que ça peut créer des emplois en Afrique? Et est-ce que c'est un domaine qui sert bien son nom, en fait, en termes de revenus professionnels? Ouais. Alors, donc pour répondre aux deux questions à la fois, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans cette nouvelle ère-là de la quatrième révolution industrielle. Et cette quatrième révolution industrielle, ce n'est rien d'autre que la révolution des données, donc la génération d'une quantité énorme de données, très massive. Et du coup, il y a les données qui sont générées chaque jour, hein, par toutes les activités. Quand on parle d'activité, il y a une génération de données, inévitablement, obligatoirement. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, hein, de notre discussion, là. On génère beaucoup de données parce qu'actuellement, on est en activité. Et donc, ces données-là doivent être utilisées par la suite, interrogées afin d'en extraire des conclusions qui peuvent soit orienter le business d'une entreprise ou bien aider une institution, une autorité à prendre une décision, voilà, face à une certaine problématique. Donc, ceci pour dire qu'il y a énormément d'opportunités partout, aussi bien pour les jeunes, aussi bien pour les institutions des républiques que pour les laboratoires, que pour les entreprises également et donc pour la société en général. Donc, ceci dit également, il y a beaucoup d'opportunités en termes d'emploi. Parce que les entreprises, elles cherchent beaucoup de profils qualifiés en termes d'intelligence artificielle, en termes d'analyse de la donnée. Mais malheureusement, elles n'en trouvent pas. Et donc aujourd'hui, il y a des institutions, comme je disais tout à l'heure, en Afrique qui se créent. Et ces institutions-là partent de ce constat que les entreprises cherchent des profils qualifiés et elles n'en trouvent pas. Du coup, il faut former, il faut accompagner les jeunes en montée en compétences sur les technologies de l'IA. Et pour revenir sur la dernière question, hein, le salaire et tout. Je pense que c'est important. Donc, encore une fois, c'est un métier, hein, c'est un métier du temps. Du coup, c'est très bien payé, hein. Non seulement, donc ça a deux axes. C'est non seulement un métier du 21e siècle, mais également c'est un métier de l'informatique, hein. On connaît que l'informatique, c'est très bien payé. Du coup, la conclusion, c'est que le métier de l'intelligence artificielle, être ingénieur en IA, c'est très bien payé. Après, ça dépend des zones. Voilà. Si on est au Sénégal ou on est dans une autre zone, c'est différent si on est aux États-Unis, voilà, si on est à Londres. Donc, ça dépend vraiment du niveau de vie de la zone. Et les différents paramètres également que ça inclut. Super. En tout cas, le simple fait d'entendre que c'est bien payé, je pense que on peut se passer les chiffres. C'est déjà assez explicite. Donc, on va aller vers la dernière question en français avant de faire quelques questions en anglais, histoire de vraiment, Bon. voilà, faire une sorte de résumé de ce que on a dit en français. Donc, alors pour les Africains qui nous regardent, parce que pour beaucoup, il y a beaucoup de l'Afrique fait face à beaucoup d'autres problèmes. On a des problèmes d'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire, on a problème de survie, on a tous ces problèmes-là. Et on nous ramène encore un autre truc qui s'appelle intelligence artificielle. Si c'est pas encore du vaudou des blancs, je sais pas. En tout cas, pour certains Africains, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc, quel est le message que vous avez en fait pour la jeunesse africaine, pour notre jeunesse, pour peut-être les expliquer l'importance que les intelligences artificielles ont pour le continent. Vous avez parlé de révolution, hein, de la quatrième révolution, si ce n'est pas une source de motivation. Mais si vous avez un message pour cette jeunesse-là, qu'est-ce que vous leur direz par rapport à l'intelligence artificielle aujourd'hui? Oui, alors là où vous avez commencé, hein, ce sont les problématiques là que vous avez citées, la faim, donc la famine, etc., etc. Donc je pense que la vie, hein, c'est une question de trois étapes, le passé, le présent et le futur. Et du coup, il faut interroger le passé pour comprendre le présent et utiliser cette compréhension du présent pour construire l'avenir. C'est exactement le mode de fonctionnement de l'intelligence artificielle quand on utilise la donnée pour implémenter un algorithme. On utilise des données du passé pour essayer de faire des analyses afin de comprendre la situation actuelle. Et en fonction de ça, on essaie de faire une prédiction de l'avenir. Et donc aujourd'hui, il y a des problèmes de famine et tout. Donc ces problèmes-là, c'est des problèmes récurrents qu'on a déjà vécu, hein, dans le passé. Et du coup, à travers les données qu'on a eues dans le passé, on peut essayer de voir comment on peut faire des croisements de paramètres pour voir quels seraient les paramètres optimaux pour répondre aux problématiques de la famine, aux problématiques, par exemple, des inondations, etc., etc. Tout ça, on peut le faire avec des modèles d'intelligence artificielle, avec des modèles algorithmiques. Après, encore une fois, hein, c'est une approche de la réalité. Ce n'est pas la réalité à 100%. Donc, par là même, les ingénieurs en IA vous diront que donc l'objectif du développement d'un modèle d'IA, c'est de réduire le maximum possible l'erreur, donc le biais. Donc, pour dire que on fait de la modélisation. La modélisation, par définition, c'est quoi? C'est une approche
de la réalité, tout simplement, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, le message que j'aimerais en faire passer auprès de la jeunesse, c'est de s'intéresser aux sciences technologiques en général, et notamment les technologies émergentes. Le continent en a besoin. Nous sommes encore une fois à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Les grandes puissances l'ont compris. Les États-Unis ont déjà commencé ça depuis des années et des années avec, voilà, les multinationales comme Google, Facebook, hein, qui sont vraiment présents en avance sur l'implémentation des modèles d'intelligence artificielle. Donc, il faudrait que l'Afrique rejoigne la course. Et pour que ce soit possible, il faudrait que les jeunes qui sont porteurs d'idées, il faut que les jeunes qui sont porteurs d'énergie et qui ont envie d'apprendre, apprennent, investiguent, donc essayent vraiment de s'approprier de ces technologies-là d'IA pour porter le flambeau du développement de ces technologies sur le continent africain et par conséquent aider ces derniers à se développer. Super. Merci beaucoup. En tout cas, juste un chiffre, il y a 3,98 millions de jobs disponibles dans le domaine des nouvelles technologies aux États-Unis, par exemple. Et souvent, c'est un pays qui même recrute des gens un peu partout dans le monde dans ce domaine-là. Donc, c'est un milieu qui est très attractif. Une dernière question avant qu'on aille un peu sur l'anglais, c'est Laetitia qui nous demande les études ou les formations qui peuvent déboucher sur l'intelligence artificielle très rapidement. Alors, il y a beaucoup de formations, hein. Après, tournent autour, ils sont nommés, il y a des masters en big data, masters en data science, et tout part des masters en mathématiques appliquées. Voilà. Parce que pour faire de l'IA, pour faire de la science des données, il faut avoir certaines bases fondamentales, voilà, telles que les mathématiques appliquées, il faut avoir de bonnes capacités d'analyse également, de certaines capacités de calcul mathématique. Donc, il y en a beaucoup qui existent. Hein. Il y a l'école AIMS, là, qui existe au Sénégal, et je pense qu'il est implanté également au Rwanda, donc, et un peu partout en Afrique. Et il y a d'autres écoles également qui proposent des masters orientés big data, orientés intelligence artificielle. OK. Et si je me rappelle bien, vous offrez aussi des formations dans ce domaine, si je ne me trompe pas. C'est toujours d'actualité ou c'est plus d'actualité? Oui, c'est ça, c'est ça. Après, voilà, c'est des formations d'accompagnement et de montée en compétences hein, des participants sur tout ce qui est analyse de la donnée, tout ce qui est langage de programmation utilisé pour faire de l'IA, donc big data également. Machine learning, deep learning, etc., etc. Merci. En tout cas, c'est très intéressant tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Je pense que les gens auront le temps de regarder la vidéo, de comprendre un peu. Pour ces offres de formation, vous pouvez toujours suivre Nadia sur sa page Facebook. Et si vous voulez, si vous faites la demande, on pourra partager ça avec vous. Et voilà, donc il y a ce salon qui va avoir lieu, c'est demain, non, c'est la semaine prochaine. Mardi, ouais. Oh, mardi, voilà, mardi. Donc, apprêtez-vous, salon sur les algorithmes et l'intelligence artificielle en général au Sénégal, organisé par Diaïga. Donc, on va switch real quick in English. Allez, on va faire tourner la langue un peu cette fois dans la bouche. So, my brother Diaïga, it's a pleasure to have you today. We have had a great exchange in French, and we're going to just kind of, discuss a little bit in English so that people can understand who you are and what are you exactly doing. And then we're going to also talk a little bit about artificial intelligence, AI, in Africa. So, Jaja, can you tell us a little bit about yourself so people can kind of know you a little bit more, especially our English viewers? Dudemba, my name is Ndiaye. I'm an artificial intelligence engineer specialized in natural language processing. So I'm working in that field, and my mission turned around making data possible to use. I'm working in a factory that is in French country, and I'm working there as a senior data scientist. Awesome. So Jaja is a senior data scientist. He's in France. He comes from Senegal. So he has been admitted in a very selective school. It's called Polytech. So was it easy to be accepted into that school? Not at all. It was very difficult because École Polytechnique is a very high research and engineering school. The first one in France and the 16th, I think, in around the world. So it was not easy. I had to work hard when I was in the university of the Cheikh Anta Diop University in the mathematics department.
sometimes he's staying night and night without sleeping. So wow. It was very, very, very hard. But thanks to God, I did it, and so alhamdulillah. That's awesome. So you understand that, you know, he come a long way, hardworking, spending nights without sleeping, you know, being at the university in order to be accepted into that school, Polytech in France, you know. So my next question, Jaja, what is artificial intelligence? What is AI? If you would explain that, you know, in basic words to our viewers. So artificial intelligence is a science that make it possible to program computers in order to think like humans, in order to be able to take decisions like humans. So that's it, the short definition of artificial intelligence. Awesome, amazing. So you guys are trying to make the robot those machines. Yeah. Is there any danger with artificial intelligence, you know? Can we be scared, or like, should we be happy, or should we be scared of the artificial intelligence? I think it depends in the way that we will use algorithms that we use in order to implement, in order to develop artificial intelligence. So if we use it in a good way, that will be benefit for all of us. If we use it in a bad way, it will be bad for us. Because artificial intelligence works with algorithms, and algorithms will be created by us, human. So if we create algorithm in a good way, we will have it in a good way. Otherwise, we will have it in a bad way. Okay, so it all depends on the human being again. So yes. The human is always in the center, and yes. And it's still in control. Like there's so many movies where we see like artificial intelligence doing. Transforming some robots to enemies, so we hope we will not get to that, yes. You know, and the human being will still be in control, hopefully good human being and good leaders. So my next question is, so you are organizing a forum or an exposition or something, a gathering in Senegal, and you are expecting scientists like you to come together and discuss artificial intelligence. Can you tell us a little bit about that event? How many people you're gonna invite, and then what we can expect to see during that event? So for this first edition, we're expecting 500 persons and 25 speakers around the subject of artificial intelligence, because the main subject of this first edition is using artificial intelligence to develop economically and socially African countries. So it is an event that we will organize in December in order to federate ecosystems of scientific researchers, of scientific innovators, in order to discuss around conferences, around expositions, in order to make people find the dynamic of innovation and the scientific research that is in the African continent. Awesome. So Mr. Jaja, so basically that event, you know, will help you guys come together and discuss on the subject of that very important subject. It's going to be the first edition. And it's yes. going to take place in Senegal, but there will be a lot of people from all over the continent, not only Senegalese, but it will be people from France and people from, you know, and you have some partnership with some international organization, right? Is that correct? Yes. So I think that it's important to have that vision, that open vision, because we are in the area of globalization. Mm-hmm. So we have to be open in order to federate people everywhere in the world. You have the opportunity to have speakers that come to France, to the United States, to Canada. We will do our best in order to make them come in Senegal in order to speak for our forum around artificial intelligence subject, how we can use it in order to develop African countries. Awesome. So my next question is, you talk about, discussing how artificial intelligence can make the difference in Africa. But do you think Africa is ready for artificial intelligence in terms of infrastructure, in terms of policies? Are we ready? Yes, Africa is trying to be ready.
is trying to be ready because there are a lot of initiatives that are being created in many African countries. I can name Morocco, I can name Rwanda, and here in Senegal, we are preparing our national artificial intelligence strategy. By the digital economy minister, so wow. We're trying to write that, and I think we will in the coming months have the finalization of that processes. And also, the Senegal is a member of the PMAI, World Artificial Intelligence Program. That is a program that gives a lot of countries in the world. Countries that have the same vision, the same ambition, use artificial intelligence to develop people life, to make life better around the world. Okay, awesome. So basically, you know, that those are like kind of baby step, but hopefully we'll see those baby steps become big steps, and just we expect to have artificial intelligence resolving problems in the continents. But I want to, like, some of our viewers are asking, do you think that artificial intelligence can create job opportunities, more job opportunities in Africa? Yes, I think, because if we say about artificial intelligence, we are saying about data. And data are generated by activities. And everyday human in us are making activities, and factories, societies, institutions also are making activities. So there is a lot of data that are generated, what we call big data. And using that data, we can develop artificial intelligence models to help people to try to make decisions, important decisions that can develop countries, develop people, and make life better, as I told it why. Mm-hmm. So there's a lot of job opportunities with artificial intelligence. And what do you think is the salary range? Is it, you know, is it well-paid job, or is it jobs that, you know, that does not pay well for, you know, people who wants to get into that field? I'm not going to give the salary range, but I'm going to say it's well paid. It's well paid. Okay. The job is well paid. Okay. So exactly. For what I know, there's I was just checking in, 3.98 million jobs in. Perhaps it depends to the area. Yes. It also depends on the area. Yes. Where, yeah, you specialize, but in general, it's not, you know, it's not too bad, you know. And for of, you know, our young people who wants to get into that field, we encourage them to definitely look into that. So, last question in English, Jaja, you've been very great in English. If I knew, we would do all this interview in English. I don't think so. You told me you wanted to, you know, We have to take into consideration that you want our French viewers to understand, you know, what was going on. But we definitely, you know, your English is great, you know. So my last question. So if you had some advice for our young Africans, our young fellow African here watching this interview and just wanted to, you know, trying to find a way out in their life or a career, what advice you have for them? For African young people, there are many opportunities around sciences and technologies, not only for us but also for all African continent and all African continent countries. So we have to take all that opportunities in order to develop ourselves and to develop our communities and to develop African continent and to develop finally our countries, our different countries. It can be Senegal, it can be Rwanda, it can be Cameroon, Cote d'Ivoire, etc., etc. So it is our, I think it must be our main mission
currently in this new area of the globalization around the technologies and artificial intelligence. So we have to take it. We can take it. There are a lot of knowledge that are open in internet, that are open in the different platforms like Google, like Facebook. So we can learn everywhere. You can be in the United States or in France or in my village in Jakarta, and learn every day, every time artificial intelligence, and be able to implement, to develop artificial intelligence model and algorithms that can make decisions that can help people for having better life. Awesome. Amazing. So we had a great discussion with Jaija, my brother here. I'm not going to take more of your time. I understand you're busy and you have this event on December 6th. Wish you the best luck. Thank you so much for what you're doing for your country, for your continent. And we encourage young Africans to do the same, to come together and just bring our bright ideas for the continent, because now is the time. He said that during this interview, we should not miss this revolution. We missed so many revolutions, and we should not miss this one, because we can do it. We have people like Ndiaye, we have people like, you know, other people in the continent, and we definitely want you to understand that, you know, there are other fields, but science is also important. We need to be more involved in science, have more scientists that will help Africa resolve their problem by Africans, because data is very sensitive, you know? Nowadays, there's a big war between Huawei and Google. Mm. Africa is in between. Africa does not have an African Google, you know? Yes. We are using those software from USA or from China, so we're still not independent. We're still slave of the data slaves, right? We used to be slaved of the field, of cotton field, but now we're data slave, if I can say that. And then people like Ndiaye are helping the continents to find solutions, and we encourage them. That's why we wanted to have this discussion, both in English and French. Thank you so much, Ndiaye. It was a pleasure to have you today. Your last word? Thanks, Demba. Thanks to all. And see you next week. All right. Thank you so much, guys. And have a great day. Like, share, you know. Nice. Thanks. Bye-bye. Thanks. Bye-bye.